Je recommence, ça l'a coupé. Bienvenue au live 28 sur 365 au soleil sur le bord de la piscine. Je me mets dans l'ambiance du programme Bulle de conscience qui va avoir lieu sur le bord de la piscine. On va souhaiter qu'il fasse soleil les journées de coaching. Mais aujourd'hui, parce que le lancement c'est demain, midi 15, ici même. Fait que si tu veux y assister, si tu veux savoir de quoi ça parle, de qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ben, sois là demain à midi 15, c'est de ça que je vais parler demain dans live. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de te parler, c'est est-ce que tu es un personnage? Est-ce que tu te donnes le droit d'être dans ta vérité, dans ton authenticité, avec les personnes qui t'entourent, avec toi-même aussi? Des fois, on est dans notre personnage quand on est seul avec soi-même. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris dans les dernières années, c'est que on se crée souvent. On se crée un personnage idéal, on se crée une femme idéale, un homme idéal, et on se plie, on fait en sorte de être cette personne-là. Puis cette personne-là qu'on s'est créée, qu'on a idéalisée, qu'on s'est dit que ce serait ça, cette personne-là, être aimée. Si on est comme ça, on va vraiment être aimé à 100%, puis on va avoir plein de monde, puis ça va être cool, puis. Mais plus on se force à être cette personne-là, qu'on n'est peut-être pas à l'intérieur de soi, plus ça devient difficile, plus ça devient lourd, plus on a de la difficulté à aller en public, plus on a de la difficulté à socialiser, plus on traîne une espèce de bagage. Je montre toujours l'exemple de. C'est comme si tu enfilais un costume avec un masque, là, comme mettons un costume de Spider-Man à longueur de journée. Ça peut être fatigant, ça peut être gossant, ça peut être irritant, parce que c'est pas toi. T'es pas Spider-Man. Peut-être, qui sait? Si Spider-Man m'écoute, tu peux m'écrire. Peut-être, qui sait? Mais tout ça pour dire que on a souvent tendance à se créer un personnage puis ne pas être dans notre vérité, dans notre authenticité, parce qu'on peut être persuadé que si on l'est, si on est soi-même, on sera pas aimé, parce que des fois, on peut se voir dans notre côté dans notre côté bête, dans notre côté irritable, dans notre côté impatiente, dans notre côté tu sais, tous les côtés qu'on veut pas être, là. Fait qu'on va se forcer, on va faire en sorte de ne pas l'être. Ce qui fait qu'on est dans un masque, on est dans un personnage. Fait que plus on va se forcer à être ce personnage-là, avec notre entourage, avec soi-même, avec notre famille, avec nos amis, avec n'importe qui, plus qu'on est en train de créer, c'est que les gens vont nous aimer, pas pour nous-mêmes, pas pour ce qu'on est, pas pour notre je suis, pas pour notre être, mais ils vont nous aimer pour notre personnage, pour ce qu'on dégage, pour ce qu'on est à ce moment-là. Ce qui fait que on a l'impression d'être aimé, mais en réalité, on est juste en train d'enfiler un costume, on est juste en train d'enfiler un masque par peur de ne pas être aimé. Puis plus on avance dans notre cheminement, ça c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu en fait, c'est que plus on se ramène à qui on est, puis on accepte, puis on assume notre intensité, notre côté plus bête, notre côté plus ça peut faire des divergences au niveau des relations, parce que en réalité, toute ta vie, tu as été quelqu'un d'autre, toute ta vie, tu as été un personnage. Fait que c'est normal qu'au fil des années, ça change ton entourage, ça change tes relations. Puis c'est OK. Puis c'est correct. Parce qu'en réalité, la seule relation qui est importante, c'est la relation que tu as avec toi-même. Si t'es bien dans ta relation avec toi-même, si tu t'aimes inconditionnellement, tu t'aimes profondément, si tu assumes ton unicité, tu assumes ta valeur, il n'y en a pas de problème. T'as pas besoin d'aller chercher ça à l'extérieur, t'as pas besoin d'aller chercher ça chez les autres, parce que tu te le donnes à toi-même. Fait que mon message aujourd'hui, c'est de te poser la question, quel personnage je me suis créé, puis quel costume je porte en ce moment, quel masque, quel costume je vais porter, puis il peut être différent, tout dépendant, quand tu t'adaptes à différentes personnes, à différentes situations, au travail, ça peut être une autre sorte de masque, de costume, de déguisement. Avec certains amis, ça n'est un. En famille, ça n'est un autre. Donc, vraiment, d'observer si tu te permettais d'être vraiment toi, dans ton authenticité, dans ta vérité, avec ces personnes-là, de quoi tu aurais peur, en fait.
on en vient souvent à la peur de ne pas être aimé, mais tu aurais peur de quoi si tu te permettais d'être toi en tout temps, avec n'importe qui? Fait que je voulais juste aujourd'hui t'amener la réflexion, parce que j'en ai parlé hier dans la classe divine, d'aller s'aimer sans condition dans tout notre bagage, dans toutes nos qualités, dans toutes nos forces, dans toutes nos faiblesses, dans tous nos défauts. Parce que c'est ça, l'amour sans condition. Puis plus on va s'aimer sans condition, plus on va être capable justement d'être qui on est, d'assumer notre vérité, d'assumer notre valeur, notre unicité avec tout le monde, avec toutes les gens qu'on va côtoyer. Fait que ça, c'est un petit... comment je pourrais dire ça? C'est un petit indice, on va dire ça, un petit indice sur le nouveau coaching qui s'en vient, qui va sortir. C'est un coaching individuel de 6 rencontres. J'ai quelqu'un qui le teste en ce moment, puis on a fait notre première rencontre aujourd'hui. Déjà, je sens que ça va être quelque chose. Je sens que ça va être transformateur. Je sens que j'ai hâte de voir à la fin des 6 rencontres ce que ça va donner. Mais déjà, ça a un petit impact. Donc, je t'en dis pas plus parce que tu vas le savoir lundi. Celles qui sont inscrites à l'infolette vont avoir la primeur lundi dans leur boîte courriel de ce nouveau coaching-là qui va sortir. Ils vont avoir le nom et le visuel dans leur courriel. J'en dirai pas plus lundi. Je garde le suspense. Puis, ça a un lien avec ce que je viens de te dire aujourd'hui. Fait que si ça te parle, ce que je dis aujourd'hui, ben surveille, parce que peut-être que ça va te tenter de t'inscrire et de faire du coaching avec moi en individuel pour t'aimer un peu plus, assumer un peu plus ta valeur, ton unicité, retrouver ton unicité. Il y en a qui justement, à force de porter des costumes, de se créer des personnages, ils ont complètement oublié la personne derrière. Ils ne savent pas qui elles sont. Ça, moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait un burn-out en 2018. C'était comme feuille blanche. Je suis qui, moi? J'en ai aucune idée. Je suis qui? Puis, je me suis perdue aussi à travers la spiritualité. Fait qu'encore là, j'étais comme pas vraiment moi-même. Puis, dernièrement, j'étais en revenir à ce que je suis. Alors, voilà. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle après-midi. Profitez du soleil pour celles qui ont du soleil aujourd'hui, tout dépendant d'où tu es. Puis, demain, midi 15, ici même, c'est le lancement de Bulle de conscience officielle. J'espère qu'il fait beau sur le bord de ma piscine comme aujourd'hui pour le lancement. Puis, ça va être dans le fond, je vous donne un premier coaching de Bulle de conscience ici même, gratuitement, pour te donner un peu la vibe, pour te donner un peu l'envie d'en vouloir plus. Fait que c'est ça. Fait que soyez là. Puis, merci d'être là. Merci de m'écouter. On se retrouve demain. Bye.